Salut, c'est Cyril de Web de Fou. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble si c'est pertinent d'avoir une stratégie YouTube pour exploser ses vues. Je vais t'y répondre dans ce podcast. Tu vas voir. Et à mon avis, la réponse n'est pas celle que tu penses. Avant ça, tu connais le truc. Tu cliques sur le bouton s'abonner. Tu vas dans la description. Il y a un lien. Ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus. Tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business. Crois-moi. Également dans la description, il y a un lien du groupe Telegram. Le groupe Telegram, c'est l'endroit où je te je partage beaucoup de choses de ma vie, euh, notamment mes business, euh, notamment un peu mon lifestyle, de là où je vis en ce moment, etc. Bref, tu suis vraiment un peu bah, toutes les news. Et si tu veux apprendre à me connaître un peu plus euh, et voir qui je suis hein, derrière le podcast, bah, je pense que c'est euh, absolument là où tu dois nous rejoindre. Donc on est, on est quelques milliers, donc je t'invite vraiment à cliquer sur le lien sur Telegram et euh, on y va pour le podcast. Alors laisse-moi te raconter une petite histoire. n'es pas sans savoir que je fais du référencement naturel, euh, du SEO euh, depuis quelques années. Donc euh, je vais te donner les stats très rapidement. Par mois, on achète 400 sites. Euh, sur les 400 sites, il y en a 289 qui se référencent, donc 290, autant dire les trois quarts, quoi. Et sur les 290, on a euh, 400 000 de trafic par mois. Donc du coup, ça, en effet cumulatif, au fil du temps, on se retrouve avec beaucoup de trafic. Alors je le fais pas tous les mois, j'achète pas 400 sites tous les mois, enfin 400 domaines tous les mois. Mais euh, à taux plein, c'est ce qui tourne aujourd'hui je me avec des millions et des millions, des dizaines de millions de trafic pour avoir fait ça pendant x temps et comment je gagne de l'argent sur du SEO, je place des publicités euh, sur, mes, sur mes articles qui me permettent bah, tout simplement de gagner de l'argent. Mais si je te parle de ça, c'est juste pour te mettre dans la logique du fait que, regarde, je lance 400 sites, les 400 ne sont pas référencés. Donc j'en lance 289, et sur les 289, il y a la loi des 20-80, c'est-à-dire que j'ai 20% de ces sites qui drainent 80% du trafic. Et ça, si tu achètes un site... Ou que t'en fais un, bah t es, t es, t es, tu sais pas. Toi, t'as pas cette statistique-là, tu peux pas le savoir. Donc du coup, euh, c'est ça que je vais essayer de t'expliquer. Donc tout marche pareil, faut pas, faut pas oublier que YouTube c'est Google également et que Google, euh, bah ils ont un peu, ils fonctionnent un peu sur les mêmes algorithmes. Même si personnellement, par expérience, je trouve que YouTube est beaucoup plus cool, algorithmiquement parlant, que euh, que les domaines, ce qui, que tu sais que que, que les recherches Google. YouTube peut tout de suite te faire décoller, t'apporter du trafic, etc. Si tu sais comment t'y prendre, c'est d'ailleurs ce que, ce que je montre dans la formation de la semaine. Mais la stratégie qui est importante à comprendre, c'est que tu as une stratégie qui doit être cohérente entre un contenu, donc la stratégie de contenu, euh, la stratégie de ta chaîne, la thématique par exemple de ta chaîne, c'est-à-dire tu ne peux pas créer une chaîne sur le jeu vidéo et parler de plantes, ça me paraît logique, mais je le dis quand même. Enfin, il y a des fois, je vois des trucs ubuesques, mais. Why not Et euh, tu peux pas changer non plus en cours de route. C'est-à-dire que euh, le truc qu'il faut comprendre, c'est que, ok, tu fais du jeu vidéo pendant un an et derrière tu fais... Euh, euh tu fais du, euh, du jardinage c'est d'ailleurs pour ça qu'on conseille très souvent de, de pas de pas de changer ta chaîne mais d'en créer une nouvelle tu vois pourquoi parce que Google tu l'habitues enfin YouTube tu l'habitues à lui donner des informations donc le contenu que tu vas uploader est très très important puisque il va le guider c'est ce qui va permettre d'avoir une cohérence et ce qui va permettre de te faire pousser un peu plus au niveau des, euh, des algorithmes hein, et notamment celui de YouTube donc du coup quand tu as une cohérence tu vois si tu parles de jeux vidéo que tu fais des vidéos sur le jeu vidéo que tu parles souvent de jeux vidéo que tu mets des titres et des descriptions en rapport avec le jeu vidéo que tu as des tags sur sur les vidéos que tu as des descriptions de ta chaîne en vidéo tu vois enfin, en gros si tu l'aides à dire Hey, tu as vu je fais du jeu vidéo bah il va pas te positionner sur du jardinage quoi il va te positionner sur des gens qui sont euh, euh, pertinents sur le sujet et enfin sur le jeu vidéo donc ça c'est tout bête comme exemple mais c'est pour te dire que bah, du coup à partir de là tu as donc une bonne installation tu as un bon setup tu as un bon départ pour que tu puisses commencer à exploser tes vues après il y a forcément une stratégie de positionnement. Donc, ça, c'était la stratégie de contenu. et la stratégie de positionnement. La stratégie de positionnement, c'est une stratégie que tu vois pour te positionner. Donc, là, par exemple, c'est OK. Pourquoi il y a des mots-clés où tu es sûr que tu vas faire 10 000 vues et d'autres où tu vas faire 3 vues Pourquoi Il y a quand même des mots-clés spécifiques. Comment tu fais pour que ces mots-clés soient forcément référencés Alors là, il faut bien comprendre que tout le monde n'est pas égal. Je m'explique. Euh, si tu crées une nouvelle chaîne, tu auras toujours moins de résultats qu'une chaîne qui a déjà du contenu, qui en a déjà, etc. Blabla, qui a des abonnés, et tout ça. Tu seras moins favorisé qu'une chaîne qui est déjà là depuis longtemps. Ce qui est logique d'un point de vue algorithmique parce que toi si t'étais à la place du gars t'aimerais que ce soit le cas donc évidemment tu quand tu commences une chaîne tu peux pas avoir un million de vues c'est quasiment impossible quasiment impossible je dis bien quasiment impossible en tout cas moi j'y suis pas arrivé mais ensuite fortement rapproché. Mais pour te dire que OK, c'est très compliqué à part si tu es capable de d'avoir des techniques qui te permettent d'aller vite. Donc moi l'idée c'est j'aime pas les hacks qui, qui explosent tout et qui montent en flèche parce que ça dure pas. Ce qui est très important dans le business en ligne et notamment dans tout ce qui est basé sur les algorithmes, c'est de faire monter crescendo. Et c'est très important. Et tu vois, la formation de la semaine qui s'appelle hack YouTube de 0 à 10 000 vues par jour en 7 jours, c'est monter crescendo. Alors peut-être que toi ça te paraît énorme, mais 10 000 vues sur 7 jours, ça va. Enfin 10 000 vues par jour sur 7 jours, c'est pas non plus colossal voilà C'est beaucoup, mais c'est pas colossal. Parce que tu as une montée en puissance. Parce que tu as une stratégie de contenu. Parce que tu as une stratégie de positionnement. Et que le mot stratégie fait toujours flipper. En fait, c'est juste, ok, tu choisis tes 3-4 endroits où tu vas te positionner. Tu fais tes 3-4 contenus. Tu vois, ce c'est pas, pas quelque chose de très compliqué. Par contre, voilà, si toi tu fais 3-4 contenus comme celui que tu en train d'écouter, c'est-à-dire un podcast que tu mets sur YouTube, bien sûr que ça se référencera jamais. Tu vois, faut vraiment avoir conscience pardon, de ça et avoir confiance au fait que si tu sais comment marche l'algorithme, enfin, euh, que tu crois savoir à peu près comment marche l'algorithme et que tu le testes tu vas te rendre compte que tu auras de meilleurs résultats moi aujourd'hui je fais beaucoup plus positionner des chaînes liées à de l'affiliation euh, qui se compte en centaines de milliers d'abonnés euh, je t'en parle dans la formation de la semaine d'ailleurs c'est plutôt des chaînes comme ça que j'arrive à faire monter mais je ne ferai jamais monter des chaînes qui sont liées à des produits comme par exemple des formations en ligne etc pourquoi parce qu'on joue pas sur les mêmes, les mêmes leviers il y a moins de gens qui sont intéressés sur le business en ligne que des gens sont intéressés par exemple pour maigrir ça paraît évident mais du coup s'il y a moins de gens qui sont intéressés ça veut dire que c'est aussi plus compétitif et l'idée c'est de te dire ok Comment toi tu te retrouves là-dedans Toi qui connais rien, toi qui sais pas, toi qui commences de zéro, est-ce que tu dois plutôt aller dans un endroit où il y a moins de monde mais où euh, tu peux faire plus d'argent si tu vends tes produits ou plutôt aller dans un truc de, plutôt lié à du divertissement ou des choses un peu plus euh, communes comme de la, de, de la minceur par exemple ou du divertissement, peu importe, tu sais, des trucs rigolos machin euh, qui eux vont drainer plutôt du trafic en masse mais vont te faire moins d'argent parce que tu ne pourras pas vendre ton produit à ces gens-là parce que ce parce qu n'est pas pour ça qu'ils sont là mais qui par contre vont te permettre de gagner de l'argent de manière passive. Euh, sur les, les pubs qui seront générés dans les vidéos. Donc c'est quoi le combo gagnant et c'est quoi le combo perdant Le combo perdant, c'est pas faire beaucoup de vues sur un contenu de divertissement. Le combo gagnant, c'est faire beaucoup de vues sur du contenu de divertissement, et là, as des rentes passives avec, par exemple, du... Euh, euh, de, de la pub, tu vois. Alors, je dis contenu de divertissement, ça veut pas dire du divertissement. Contenu de divertissement, c'est des choses euh, liées à beaucoup de choses qui... qui euh, comment te dire Par exemple, ça peut être aussi de l'actualité, tu vois, l'iPhone, le nouvel iPhone qui va sortir, euh, je sais pas, la, la nouvelle PlayStation qui va sortir, le, tu vois, c'est plus ça. Et là, dans des cas comme ça, quand je parle de divertissement, c'est tout ce qui est pas lié à des niches, en fait. Hein, je... je précise parce que c'est pas lié. Divertissement, on va penser par exemple à du Squeezie, du Cyprien En quoi, c'est pas ça. Le divertissement, c'est tout ce qu'il y a autour de ça. Pour le coup, le gaming peut être du divertissement. Donc, ça, je t'explique parce que finalement, si toi aujourd'hui tu veux créer euh, une nouvelle chaîne, poser ta marque sur ton personal branding comme web de fou, etc., euh, la stratégie va te permettre de faire beaucoup de vues, il n'y a pas de problème, ça marchera, mais c'est pas ça qui va te faire forcément plus de ventes, tu vois. Par contre, c'est très pertinent si par exemple tu veux diversifier ta, euh, ta chaîne. Par exemple, ok, par exemple, demain, web de fou, euh, moi je la diversifie pas comme ça, mais si j'avais que ça et que j'avais pas d'autres business, qu'est-ce que je ferais Bah ben, je ferais euh, la, une stratégie de contenu de positionnement comme je le ferais, j'ai déjà un peu d'historique sur ma chaîne, et du coup ben, je posterai des contenus liés à, euh, à différentes thématiques qui me permettraient avec ma stratégie de positionnement ben, de me positionner. Le problème c'est que je pourrais pas me positionner parce que je suis avec l'historique que j'ai, bah ben, du coup je suis que dans le marketing en ligne, tu vois, et donc bah ben, du coup il faudrait que je fasse des contenus que liés à du marketing en ligne. Donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que moi je trouve que c'est long à faire, etc. Et que moi j'ai des contenus qui sont automatisés dans beaucoup d'autres thématiques. J'ai pas trouvé de solution sur euh, la, le, le gagner de l'argent en ligne, si tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, euh, je vais plutôt dans d'autres thématiques qui me permettent de générer de l'argent avec beaucoup de vues. Le truc, c'est que si pour toi, tu estimes que faire beaucoup de vues égale faire beaucoup plus de ventes sur ton produit, ce n'est pas le cas. Il faut voir ça comme une stratégie de diversification. Donc, te dire que, ok, mélanger ta chaîne avec un produit et euh, un truc pour aller faire euh, euh, du vues, c'est pas forcément une bonne solution, tu vois, c'est même un peu débile. Ça va t'apporter des gens pas forcément pertinents pour toi, par contre ça va te permettre de te faire découvrir peut-être beaucoup plus vite. Mais attention, selon le type de trafic que tu vas attirer, c'est peut-être pas non plus une très bonne idée, parce que tu peux te retrouver avec des gens qui ne te conviennent pas. Donc moi ce que je conseille toujours, c'est d'avoir deux chaînes minimum. D'avoir ta chaîne où tu vends tes produits, tes machins, comme moi j'ai là, Web de fou machin, et d'avoir une autre chaîne qui n'a rien à voir, dans des thématiques où tu ne montes pas ta gueule, tu ne montes pas ton machin, tu ne montes pas ton truc, qui te permettent de générer des revenus passifs, soit avec de la publicité, soit avec de l'affiliation, soit avec les montants en puissance, soit avec, avec plein de trucs que je te parle dans la formation de la semaine. Et du coup, bah, à partir de ce moment-là, ta stratégie, elle est assez évidente. Tu as deux stratégies différentes pour ton contenu, et euh, est-ce que l'un peut drainer l'autre bah, Finalement, oui, à partir du moment où tu peux te faire passer comme, euh, tu vois, une sorte de, je sais pas, de contenu choc, euh, tiens, euh, euh, sur ta chaîne, chaîne de, de minceur, tu peux dire regarde comment cet entrepreneur a perdu X poids et ça peut te permettre de rediriger finalement les gens de ta deuxième chaîne vers ta première chaîne. Donc c'est, ça me paraît évident, mais tu vois, il faut réussir à avoir une estimation marketing, une estimation sociale, comportementale de ce que les gens pourraient voir pour rediriger. De ta chaîne d'affiliation vers ta chaîne de produits. Bon, c'est un bien grand mot pour dire, ça me paraît évident, je sais pas, c'était une chaîne sur le gaming, démerde-toi à faire un lien entre le gaming et ta chaîne principale, quoi, pour attirer du trafic et, et, et la ramener chez toi, sur ta chaîne principale. Donc, moi, le but cette semaine et de cette formation, de la semaine, c'est de t'expliquer comment tu peux très vite faire beaucoup de vues, pas comment je vais faire exploser ta chaîne de personal branding où tu vends tes formations pour y arriver. On est bien d'accord, ou ta chaîne de coaching, ce n'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, par contre, ce qui est intéressant, c'est que la méthode marche toujours. C'est-à-dire que ce que je conseille, moi, aujourd'hui aux gens, c'est sur cette méthode de dire, ok, crée une nouvelle chaîne. Applique la méthode et tu vas apprendre déjà beaucoup de choses. Ces choses que tu vas apprendre là, tu pourras t'en servir pour ta chaîne principale et tu pourras la faire exploser avec les mêmes mécaniques, les mêmes méthodes, mais pas liées à la même chose. Tu comprendras pourquoi dans la formation. Donc en fait, ça marche, mais ça doit se faire en plusieurs temps. Ça doit se faire d'abord avec un test sur une chaîne que tu comprennes. Tu sais, c'est comme tout. Je veux dire, c'est comme quand tu apprends, je sais pas, à faire du ski. J'adore dire ça, mais quand tu fais du ski, la première fois, tu tombes. Bon, ben, tu vas pas, tu, je vais pas te foutre dans une piste noire directe, tu vois, ça me paraît évident. Ok, peut-être que toi, tu es hyper compétent et que tu fais du snowboard. Enfin. Pardon, donc tu fais du skate, mais tu vas faire du snow, le snow c'est différent, tu vois. Et donc pour ça, eh fais-toi un peu la main sur le snow d'abord, et après tu pourras appliquer les mêmes euh, stratégies de snowboard pour le skate. Par exemple, je sais pas si tu veux faire des backflips ou des trucs comme ça, bah, tu pourras avoir la compétence et le faire aussi en, en, en skate, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut raisonner, et c'est pour ça que cette formation est quand même assez extraordinaire, moi je trouve que c'est une des meilleures formations que j'ai faites, euh, tout simplement parce que bah, quand tu as compris cette technique, ce qui est complètement fou. Et ce qui n'est pas dit hein, aujourd'hui sur les podcasts et qui est dit par contre dans la formation, mais je te le dis quand même, c'est que, euh, en vérité, ça marche pour tous les réseaux. Ça marche pour Google, ça marche pour YouTube. Et je n'ai jamais autant positionné mes sites sur Google que depuis que j'ai compris comment marcher YouTube. C'est bête C'est bête. Et je n'ai jamais réussi à avoir euh, des chaînes TikTok, des machins, parce que je ne me suis jamais intéressé. Mais en fait, dès lors que je me suis intéressé à cette méthode et que j'ai développé cette méthode, c'est devenu en fait... Parfait pour tous les réseaux. Tu vois, ça m'a fait tilt. Tu vois, ça m'a fait un gros déblocage. Ce que je te garantis avec la formation de la semaine qui s'appelle Hack YouTube de 0 à 10 000 vues par jour en moins de 7 jours, c'est que tu, un, tu vas avoir un déblocage. C'est-à-dire si tu te poses la question, c'est je comprends pas comment on fait des vues, moi j'ai beau te faire des vidéos, mais je fais pas de vues, ah oui mais euh, je comprends pas comment euh, les mecs peuvent se positionner, c'est un coup de bol, ouais mais faut attendre 3 ans des fois, machin. Si tu te poses toutes ces questions, ben, moi j'ai une réponse pour toi, c'est la formation, c'est tu vas voir que si en fait c'est largement possible, si tu sais comment t'y prendre. Et ce que je te garantis, c'est le déblocage. C'est-à-dire que tu vas, tu vois, tout ce qui est euh, vu sur tous les réseaux, là, tu, vas, tu vas comprendre en fait, tu vas te dire mais putain, mais j'ai tellement été bête de ne pas y avoir pensé avant, j'ai tellement été bête de ne pas euh, m'y être intéressé de cette façon-là. Donc ce qui est sûr, c'est qu'en sortant cette formation, tu vas avoir le cerveau à l'envers, tu vas avoir des informations de ouf, et tu vas te retrouver avec une valeur de dingue entre les mains. Et en plus de ça, ce que je te garantis, c'est un changement total. De, de façon de penser, de mindset. Et ça, je te le garantis, à quasiment à 100%. À part les gros réfractaires psychologiques, mais dans tous les cas, je te le garantis à 100% pour une raison simple. Euh, J'ai déjà fait le test de, ces, de cette formation auprès, moi, de mes salariés et de certains de mes associés. Tous, sans exception, ont eu la même réaction. Ils ont eu un déblocage du système. Ils ont eu. Ils ont, en fait, ils ont compris comment c'était facile, possible, et pourquoi pourquoi tout de suite, le lendemain, un de mes associés a tout de suite monté deux chaînes, a fait machin de ça, et a commencé à y arriver. Tout simplement parce que quand tu as ce déblocage, bah, en fait, tu comprends, et que tu as les bonnes strates, bien sûr, bah, du coup, tu comprends comment ça fonctionne. Donc, si tu as envie d'apprendre tout ça, bah, je t'ai mis le lien en description de la formation. Ça s'appelle Hack YouTube de 0 à 10 000 vues par jour en moins de 7 jours. Je t'invite. À nous rejoindre, euh, bah, je t'invite à, à cliquer dessus, à aller sur la page de commande, de mettre les informations nécessaires, d'accéder à la formation. Et on se retrouve de l'autre côté. Il y a 27 vidéos, il y a quelques heures de contenu. Donc là, accroche-toi, prends un stylo, prends un papier, prends, je sais pas, un cahier de brouillon, je sais pas, concentre-toi. Mais là, je pense pas que t'es mieux à faire aujourd'hui si tu veux faire du business en ligne que de prendre cette méthode et de l'appliquer. Voilà. La balle est dans ton camp. À toi de jouer. Je te dis ciao.